Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais parler du secteur automobile, secteur qui est en crise depuis pas mal de temps. Effectivement, les sociétés, déjà en plus actuellement, la crise avec le Covid, sont un peu à l'abandon, on va dire. On l'a vu dernièrement avec Renault qui a des problèmes pour relancer son usine. Donc je vais revenir sur ce secteur, je vais revenir sur certaines sociétés, pas sur toutes, surtout les européennes, surtout les françaises. Et faire le point un peu sur ce secteur qui est un peu à l'abandon depuis quelques temps, boursièrement parlant. Donc on va commencer par les graphiques. Effectivement, je vous ai mis les six graphiques. Donc je vous ai mis Peugeot, Renault, Ford, Tesla, Daimler et Fiat Chrysler. Voilà. Donc Peugeot, vous voyez, hein, tendance qui était plutôt réduite sur place. Et puis ça s'est effondré avec le Covid, mais un peu comme toutes les sociétés. Elle, pour le coup, a repris depuis son plus bas, à peu près à 8,87 €. Elle a repris quasiment 47%, ce qui est pas mal. Hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais elle a repris 47%. Ça me paraît même bizarre, 8,87. Je ne m'aurais pas qu'elle était descendue aussi bas, René Peugeot. Mais en tout cas, voilà, bon, 47%. Très très bien pour Peugeot, sa reprise. Après Fiat Chrysler, elle a repris à peu près 36%. Alors elle aussi, c'est un peu pareil. Hein. Elle était peut-être un peu plus en tendance baissière que Peugeot pour le coup. Hein. Vous voyez qu'elle, elle remontait souvent. Elle était vraiment sur une trajectoire baissière. Elle avait commencé seulement à remonter un peu la tête ici, seulement au moment de ses résultats, pour après se péter la gueule, malheureusement. Ensuite, Ford, non, Ford, je la ferai après. On va faire Renault. Elle, Renault, a repris 38% depuis ses plus bas. Elle, par contre, était sur une tendance baissière depuis pas mal de temps. Hein. C'est pas le Covid hein, ça a entraîné sa chute, mais ça faisait beaucoup plus de temps depuis l'histoire de Ghosn. Carlos Ghosn, là, qui l'a fait vraiment descendre. Et là, on a gagné que 38% depuis ses plus bas. Donc voilà, fait à peu près jeu égal avec Fiat. Et la dernière, c'est bah, en fait c'est un peu sa collègue, hein, on va dire, parce que effectivement Daimler a des parts chez Renault et inverse. C'est Daimler qui tue un peu le game, quoi. Non, ils sont deuxièmes. Au niveau de la performance sur les 2 mois, là, c'est Daimler, effectivement, qui a gagné à peu près 44% par rapport à ses plus bas. Effectivement, alors un gap à combler ici, mais on reviendra après pour les analyses techniques. Voilà. Et effectivement, celle qui fait un peu de tâche dans le lot, c'est Tesla, effectivement, qui est beaucoup plus haut que les plus bas. Bon, je ne vous le fais pas, parce que là, vous allez me dire, mais c'est un scandale, parce qu'effectivement, la société, elle a gagné, elle a repris quasiment. Là, tout le monde est hors game. Hein. Là, elle a repris quasiment 130%, quasiment. Quoi. Ouais, 135%, quoi. Donc c'est vrai que toutes les autres sont hors game. Après, il faut savoir qu'aux États-Unis, Tesla est au Nasdaq. Ça veut dire qu'elle n'est pas, on la considère pas comme le secteur une automobile, une automobile quoi. Voilà. On la considère comme une nouvelle technologie. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'elle surperforme parce qu'on la voit pas comme automobile. Voilà. Donc, ce qui explique cela. Donc vous voyez qu'effectivement, bon, un secteur qui est en berne, mais secteur cyclique qui peut repartir suite au Covid peut-être. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire de l'investissement dessus. Après, vous choisissez votre société. Je vais en parler surtout des européennes. Je n'ai pas tout voulu faire. Mais on va revenir sur 2-3 comptes de résultats, des choses comme ça. Donc, hop, voilà. Donc là, ce que vous voyez, hop là, c'est Renault. Renault, voilà. Donc Renault qui a eu un chiffre d'affaires qui. Alors attendez, là, excusez-moi, je ne suis pas sur le compte de résultats. Je suis au bilan. Déjà sur le bilan. Donc il y avait un chiffre d'affaires qui montait en 2015, 2016 ça allait bien, 2017 c'était l'apogée de 58 milliards, et en 2018 ça a commencé un peu à dérégler, hein, ça a repassé à 57 milliards, et 2019 avec l'affaire Ghosn, bien sûr on est repassé à 55 milliards, bon, chiffre d'affaires qui s'effrite, ok, on pourrait se dire, bon, effectivement, il y a moins de ventes. Le gros problème c'est effectivement, c'est son résultat net, qui commençait déjà à s'effriter en 2018, alors que vous voyez que la différence est là, on ne perdait que 1 milliard sur le chiffre d'affaires, alors que sur le résultat net, on perdait quasiment 2 milliards. Donc c'est là où il y a eu le problème, c'est que là, il y a eu les gros errances de gestion par rapport à la société. On voit que le résultat hors exploitation était très très bas. Là.
Et les carreaux passés négatifs. Donc, là, c'est là où il y a eu des problèmes. Voilà, ici et ici. Alors qu'avant, vous voyez que c'était beaucoup plus positif. Donc, effectivement, et, écoute, bah, en 2019, on a un résultat net négatif en fin d'année. Effectivement, alors c'est pour ça que moi, je m'étais posé la question du pourquoi il versait un dividende l'année prochaine, quoi, cette 2020. Finalement, ça a été abandonné à cause du Covid, mais normalement, il devait en verser un à 1,10. Donc, effectivement, si le dividende revient chez Renault, ce sera 1,10. Le dividende, grosso modo, quoi. Donc voilà, effectivement, la société est totalement value. Hein, on voit si votre c'est... Ah oui, on va revenir au bilan, du coup. À ses fonds propres, qui sont à peu près... capitalise à peu près 5 milliards. Effectivement, ses fonds propres sont à 34. Donc effectivement, elle est totalement value. Ce qui pose problème chez Renault, c'est ses dettes, son endettement, quoi. Effectivement, l'endettement est très, très, très élevé. On voit le passif courant... Les têtes à long terme, tout ça, pour savoir le taux l'endettement de la société, il faut regarder toutes les dettes, hein, en fait. Hein, le passif courant ici, donc 19 milliards, 49 milliards, les dettes aux fournisseurs, 9 milliards, pour ajouter encore en plus les dettes long terme, 8 milliards, 5 milliards, et vous retirez la trésorerie qui est à peu près à 14 milliards. Voilà. Donc, on se doute bien qu'avec tout ce que je vous ai dit, on n'est pas du tout au niveau des fonds propres, donc elle est un peu trop surendettée. C'est le gros problème de Renault et c'est ça, sur ça qu'elle travaille actuellement, c'est son désendettement. Voilà. Mais il y a aussi bien sûr l'arrivée du prochain directeur général qui va arriver d'ici 2 mois. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir, mais je vous montre un peu tous les comptes. En ce moment, c'est pas beau. Voilà. C'est pas beau du tout. Après, on viendra sur l'analyse technique pour le reste de la société. Ensuite, on va faire donc, l'autre, c'est Peugeot, le bon élève. Peugeot. Donc Peugeot, elle capitalise, bon, je vais arriver, 11 milliards de capitalisation boursière. Donc pour faire simple, voilà, on voit qu'elle est value parce qu'effectivement les fonds propres sont à 19 milliards, donc effectivement ça va, au niveau des prix. Le chiffre d'affaires, donc attendez, hop. Le chiffre d'affaires de Peugeot est sur une tendance. Bon, là, effectivement, elle sortait d'une quasi-faillite en 2012. Hein, donc, effectivement, ça a remonté progressivement. Mais là, c'est quand elle a racheté Opel, en fait. Hein. Elle a racheté Opel. Et du coup, déjà, le chiffre d'affaires a commencé à arriver. Après, il a vraiment bien monté. Et là, on a fait un peu du surplace en 2019. Effectivement, bon, on a fait du surplace. Mais là, ce qui a été plutôt intéressant, je trouve, par rapport à Peugeot, on le verra à l'inverse par rapport à d'autres, bah, surtout Renault, typiquement. C'est que le chiffre d'affaires a fait un peu du surplace, mais le résultat net, lui, a bondi. Donc, ils ont réussi à bien travailler la chose, quoi. Alors, certainement, donc, voilà. Ça, c'est vraiment le compte du résultat. On va regarder rapidement le bilan de la société. Donc, le bilan. Donc vous voyez que la trésorerie, on est à peu près à 17 milliards de trésorerie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, on va regarder à peu près toutes les dettes qu'elle a. Donc la dette fournisseur est déjà à 14 milliards. Bon, en gros, la trésorerie comble cette dette fournisseur déjà, c'est plutôt bien. Et il lui reste du coup les dettes courantes. Les dettes courantes, non, elles ne sont pas trop élevées. J'ai du mal à regarder sur le tableau en fait. Dettes courantes, ouais, celle-là, 2 milliards. Les autres passifs courants, 12 milliards. Et la dette, ça fait 7,714, 20, ça va, quoi. La dette sur les fonds propres, ça va à peu près. Bon, c'est vrai qu'elle est limite un peu aussi endettée, mais ça tient, c'est beaucoup moins pire que Renault qu'on a vu juste avant, qui, elle, pour le coup, est trop endettée. Vous voyez, c'est pour ça que c'est ça qu'il faut regarder, c'est l'histoire de l'endettement qui peut poser problème à un moment donné sur une société quand elle est trop endettée, surtout quand cet endettement a tendance à évoluer négativement. Là, on voit que, bon, vous voyez qu'elle était très endettée là, et petit à petit, ça s'est un peu reparti. Pareil, la dette, c'est reparti un peu. Voilà, ça va, quoi. Elle reste pas trop endettée. La dette fournisseur, elle, par contre, a un peu explosé, mais la trésorerie, elle aussi, a monté. Donc, ça reste ça. Je trouve que c'est pas vraiment gênant. On va regarder rapidement Fiat, parce qu'effectivement il y a la fusion avec Fiat, donc on va regarder un peu les comptes de Fiat aussi, Fiat Chrysler. Alors avant de montrer Fiat aussi, je vais vous montrer quelque chose par rapport à Fiat Chrysler, c'est ça.
c'est les ventes aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Fiat va racheter, enfin, ils ne font pas racheter, il y a une fusion avec Peugeot qui va se faire. Normalement, elle va se faire normalement. Effectivement, c'était pour vous montrer en fait que le fait de récupérer Fiat, FSA en gros, FCA, va la faire rentrer aux États-Unis, quoi. Et qu'on remarque surtout Fiat, ça, bon, effectivement, la marque Fiat ne vend aucune voiture aux États-Unis, mais c'est surtout Jeep qui fait partie du de FCA, qui du coup, vous voyez que. Ils ont quand même des commandes. Hein. Hein, on voit que Jeep, c'est quasiment la sixième marque aux États-Unis. Quoi. Donc vous voyez que bon, cette fusion avec Fiat va comme apporter le secteur américain que Peugeot ne touchait absolument pas avant. Quoi. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant pour vous donner un exemple avec Renault, hein, toujours. Hein. Quand on voit Nissan qui est ici. Nissan c'est pas mal aussi, hein. Mais vous remarquerez juste une chose, c'est qu'on est quand même négatif sur le premier trimestre, de moins 28%, alors que pour le coup Fiat, on est qu'à moins 10. Donc c'est pas mal, hein. Et elle prend des parts de marché, hein. Regardez le nombre de parts de marché qu'elle a pris, c'est ça qu'il faut regarder, le nombre de parts de marché qui est en forte augmentation, quoi. Pendant que Nissan est en forte baisse. Donc voilà, là c'était ce que je vous montrais, c'est le marché américain, d'accord. Donc du coup, les comptes de Fiat, donc 16 milliards de capitalisation boursière, effectivement, donc la société value 28 milliards, on va regarder vite fait le chiffre d'affaires. Donc chiffre d'affaires en tendance neutre, on fait du sur place, le chiffre d'affaires en 2019 n'était pas très très bon, pour être honnête. Le résultat net, lui, alors c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que le résultat net, lui, pour le coup, a vraiment EP à la hausse, hein, à la hausse, on a doublé son résultat net. Enfin, je ne sais pas trop d'où ça peut venir, mais provision sur impôt, peut-être. Bref, en tout cas, ça a bien monté. Les résultats hors exploitation aussi qui sont un peu plus intéressants, mais voilà, ça a franchement bien fusé. Donc on est quasiment à 6 milliards de résultats nets, quoi. On est même quasiment, on est même bien plus au-dessus. Donc du coup, un bénéfice net par action qui a fortement augmenté. Donc voilà, vous voyez, le mariage finalement avec Fiat, c'est quand même pas si anodin. C'est une société quand même qui se porte plutôt bien. On va regarder vite fait comme la comptabilité, la dette, pour se faire un meilleur avis. Donc on voit que la trésorerie est un peu moins importante que Peugeot. On est à 15 milliards. On voit que sa dette fournisseur, pour le coup, elle dépasse sa trésorerie. On est bien au-dessus. Hein. 15 milliards, elle est à 21 milliards. Voilà, elle est peut-être un peu plus endettée. La dette courante à 4 milliards, 7 milliards. Effectivement, on est à 26 milliards, plus encore 6 milliards. Ça fait un peu beaucoup par rapport à ses fonds propres. Voilà. Là, pour le coup, elle est un peu plus endettée que Peugeot. Donc, ça peut être un peu problématique. Voilà. Elle a quand même un peu plus de dette que Peugeot. Voilà, je vais faire rapidement Daimler et puis Tesla, puis après on fera l'analyse technique des sociétés rapidement. Donc Daimler, je fais très rapidement. C'est, voilà, donc 33 milliards. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est elle a des parts chez Renault. Et Renault a des parts chez Daimler. Donc chiffre d'affaires qui a bien monté en 2019, mine de rien. Qui nous donne un résultat net en forte baisse. Alors là, par contre, là, c'est pas beau du tout, hein, parce que là, il y a une problématique. Vous voyez, hein, on voit qu'en chiffre d'affaires monte, alors que derrière, le résultat net descend. C'est qu'ils savent pas gérer leur marge. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. Hein, on le voit ici. Hein, c'est le résultat d'exploitation avant intérêt qui a fortement, il a dégusté, quoi. Il a un gros problème de gestion, quoi. Gros problème de gestion. Donc les charges d'exploitation, surtout ça, les charges d'exploitation qui ont vraiment été très très hautes. Les autres charges d'exploitation, ça qui a fait que. Quoi. Donc voilà, effectivement, le résultat net qui a plutôt pas mal baissé, donc la bénéfice net par action qui a automatiquement baissé de plus de moitié. Donc vous comprenez aussi pourquoi Renault est un peu dans la panade, parce qu'en plus Daimler, elle aussi, est un peu dans la panade. On va regarder rapidement si elle est endettée ou pas. Donc la trésorerie, elle, est plutôt conséquente, 18 milliards de trésorerie, ce qui est plutôt bien. On voit qu'elle couvre tout à fait ses dettes fournisseurs, c'est très très bien. Par contre, la dette courante est assez moins. Alors attendez, je ne me trompe pas, mais la dette courante est à 61 milliards, ce qui est assez impressionnant, pour être honnête. Les autres passifs à 28, c'est énorme aussi. La dette à 95, c'est monstrueux.
Et 34 milliards, ouais, c'est aussi une société qui est très très endettée. Voilà, c'est assez mabouze quand même. Bon, après, ça c'est des crédits, tout ça. Hein. Après, voilà, ça en fait, ça c'est plutôt du long terme, hein, comme c'est marqué. Donc, ça en fait, faut pas trop regarder, c'est long terme ça. C'est plutôt cela qu'il faut regarder, la dette courante, mais qui est quand même vachement élevée quand même. Hein. La dette courante, c'est quand même assez mabouze quand même. Ça comble, vous voyez, les fonds propres ne comblent pas là, pour le coup. La trésorerie en prend une partie, mais là ça comble pas. Donc, problématique avec Daimler, c'est ça. Un peu la société est quand même pas mal endettée aussi. Un peu comme Renault finalement, quoi. Voilà. Je fais une petite dernière, c'est Tesla, pour rigoler un peu là, pour le fun, on va dire. Effectivement, parce que vous allez vous rendre compte que Tesla, du coup, ben, ça n'a rien à voir avec les autres qu'on vient de faire à l'instant. Hein. C'est une société qui le cours au bénéfice net est négatif. C'est une société qui n'a jamais fait de chiffre, qui n'a jamais fait de résultat net positif. Hein. Tout a été négatif. On va la regarder rapidement. Mais le marché, pourquoi il price, pourquoi il pense cette hausse? Parce qu'effectivement, on voit que le chiffre d'affaires comme travail, quoi, il monte. Hein, c'est progressif. Et ils se disent que quand la société comme Amazon à une époque va commencer à être bénéficiaire, hein, et bien là, quand on voit déjà, vous voyez, sur le résultat d'exploitation avant intérêt, déjà, elle est déjà bénéficiaire un peu là. Bon, c'est les impôts qui font qu'elle devient plus bénéficiaire. Mais du coup, quand elle va commencer à devenir bénéficiaire, du coup, bah, là, ça va vraiment valoir le coup. Bon, effectivement, d'accord qu'on est très très cher, hein, pour avoir l'action. Mais c'est ça que price le marché actuellement et voit en Tesla une espèce de nouvelle Amazon de l'automobile. En gros, ce serait un peu ça, quoi. Avec captation d'énergie, des choses comme ça. On va aller regarder vite fait le bilan. Donc, trésorerie à peu près à 6 milliards. 6 milliards de trésorerie qui comble ses dettes de fournisseurs, c'est pas de souci. La dette courante, ouais, non, ça va, hein. Ouais, ça va niveau l'endettement. Elle n'est pas si endettée que ça. Hein. Ouais, elle n'est pas si endettée que ça. Hein. Et après, ça, c'est les dettes, c'est les crédits à long terme, mais c'est pas si endetté que ça finalement. Non. Ouais, non, elle n'est pas. C'est juste le résultat net, effectivement, cette société qui ne fait absolument pas de bénéfice, quoi. Le problème est là, quoi. Vous voyez, voilà, du coup, les bénéfices sont là, hein, et, ouais, ils sont négatifs, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était pour vous comparer un peu les deux secteurs, quoi. Enfin, pas deux secteurs, c'est le même secteur, mais nouvelle technologie et les anciennes technologies, quoi. Voilà, donc du coup, on va regarder rapidement les cours de bourse. Donc, hop, hop. Donc, que je me trompe pas, le graphique, il est où? Je n'ai plus. J'ai plus le graphique. Je l'avais tout à l'heure, je l'ai plus. Bon, bah, je vais le faire là-dessus. Je vais le faire directement sur. Je le trouve plus, mon graphique, je sais plus où est-ce qu'il est. Bon, bref, je vais le faire là-dessus, ce sera plus simple. Voilà. Donc, Renault. Alors, du coup, là, je suis en 3 minutes, il faut que je me mette en jour. Donc, Renault, j'irai les combler ce gap pour moi à 54 euros. Alors, effectivement, il y a d'autres gaps, hein, qui sont restés ouverts. Hein. Il n'y a pas que celui-ci. On avait celui-ci à 34 euros. On avait aussi celui-ci à 22 euros. Donc, il y a pas mal de gaps à combler. Pour l'instant, on est sur une petite tendance, on fait un peu du surplace, on voit qu'on a vraiment du mal à casser les 19 euros. Donc à voir, hein, on a fait une espèce de trois petites vagues et qu'on a du mal à les casser. Donc pour l'instant, bon, on se cherche, en sachant que le marché peut repartir à la baisse, donc on peut redescendre peut-être vers les 15-16 euros, hein, voire peut-être un peu plus bas. Plus bas, j'y crois pas vraiment parce que le secteur automobile va repartir suite au Covid, à part s'il y a une deuxième vague, des choses comme ça, mais je pense que ça va repartir. Donc, suivant les chiffres que je vous ai montrés par rapport à ces comptes, si ça vous intéresse, rentrez vers les 15 euros. Un nouveau directeur général va arriver, comme je vous l'ai dit, dans 2 mois, hein, des Mao, qui viennent chez Seat. Renault privilégie beaucoup le secteur électrique, un peu comme Tesla pour le coup. Donc, pour l'avenir, ça peut être aussi intéressant, voir ce qu'ils vont faire. Quand ils vont avoir la présentation du directeur général, on va avoir la nouvelle tête, sa façon de parler, des choses comme ça qui vont aider le marché à. Vous même les investisseurs à rentrer sur Renault. Donc, pari sur l'avenir. Pour moi, je vous laisserai regarder ma vidéo que j'avais fait avant sur Renault. Pour moi, ça peut valoir le coup. Ensuite, on va faire Peugeot.
Et après, je ferai les équipements aussi rapidement aussi pour vous montrer. Alors, attendez, parce que là, du coup, Peugeot UG, voilà. Alors, Peugeot, voilà, bon, elle est un peu plus haussière hein, que Renault, quand même. Mais elle a quand même du mal, hein, parce que franchement, comme je vous ai montré les comptes, hein, c'est quand même, ils sont quand même jolis, les comptes. Hein. Elle va certainement fusionner avec Fiat, qui a des comptes un peu moins bons, mais bon, qui sont quand même bons aussi. Et malgré ça, on est toujours à 13 euros. Donc on peut se poser des questions. Normalement, le vrai bon prix de Peugeot, c'est normalement avec, par rapport aux fonds propres. Normalement, quand vous divisez le nombre, les fonds propres par le nombre d'actions, vous obtenez à peu près 26 euros. Donc on n'y a quasiment jamais été. Hein. La seule fois où on y a été, c'est ici. Voilà, ça a été la seule fois. Mais actuellement, bon, elle n'est absolument pas à son prix. Moi, je dirais plutôt vers les 19 par ici, là, son bon prix. Là. Quand on aura combien de gap là, là, on sera à peu près à ses bons prix. Ce serait bien qu'on soit à ces prix-là quand Fiat. Il y aura la fusion. En sachant que pour. Je reviendrai après dessus. Pour Peugeot, il y aura une possibilité d'avoir le dividende de Faurecia. Je reviendrai après dessus. Voilà. En tout cas, la tendance est là. La tendance est pas mal haussière. Pour l'instant, on fait un peu du surplace. Moi, j'essaierai de la prendre par là, vers les 12,25€. Ouais, 12,25€ pour rentrer dessus. Pareil, je pense pas qu'on descendra bien plus bas. Au pire, c'est une grosse motrice, 11,39€. Voilà. Et puis, je vais pas faire Daimler et tout, je vais pas faire Fiat, je vais rester vraiment chez nous. Je vais vous faire rapidement les Faurecia et compagnie, donc c'est parce que je voulais vous parler de Faurecia juste après. Donc effectivement, Faurecia, qui est du coup un peu le fournisseur officiel de Peugeot, il faut savoir que Peugeot a quasiment 40% de parts chez Faurecia. Et donc du coup, s'il y aurait la fusion avec Fiat, il devrait donner ses parts du coup, aux actionnaires. Donc du coup, on aurait soit des actions Faurecia, soit un dividende exceptionnel par rapport au parc qu'avait Peugeot chez Faurecia. Donc voilà, c'est quand même intéressant, quand même, il faut garder ça en tête. Ben effectivement, plus Faurecia sera haut, mieux ce sera. D'accord. Effectivement, pour l'instant, elle se maintient quand même bien, c'est bien, à 32 euros, là, 30, ouais, 32 euros. Donc, il va falloir essayer de combler le gap, là, qui a déjà été comblé à 34 euros. Et ensuite, aller taper les 39-40 euros. Le dernier gap sera à 44 euros. En tout cas, elle est mieux remontée que Peugeot pour le coup. Mais en général, il faut savoir que dans le secteur automobile, les constructeurs performent beaucoup moins que les fournisseurs. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est vrai qu'en général, il faut mieux prendre les fournisseurs que les constructeurs. Après, voilà. Donc, Faurecia, intéressante, effectivement, à jouer, à rentrer au niveau de la MM20, en somme, de quoi qu'il y ait ici. Ensuite, l'autre, c'est Valeo. Alors, Valeo, ce serait plutôt côté Renault, du coup. Elle fait un peu pour les deux, mais là, je crois que c'est plutôt pour Renault. Ouais, c'est celle-là. Alors, Valeo, elle, qui avait elle, pour le coup, a beaucoup surperformé Faurecia. On était sur hors des Bollinger pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours hors des Bollinger. Là, on les a réintégrés. On est à 19,79€. Ça pourrait être un prix pour rentrer là, effectivement. On voit que là c'est un peu une espèce de support résistance là, donc un support à voir ce que ça retourne pas aussi sur sa MM20 pour rebondir à 18,18€. Voilà, en tout cas, pareil, on voit qu'elle surperforme aussi Renault, Peugeot et compagnie. Voilà, donc possibilité aussi sur du long terme à repartir assez haut quoi. Ensuite, il faisait plastique. Alors elle, j'ai toujours du mal à écrire, voilà, Omnium, qui est aussi fournisseur, elle aussi a plutôt bien performé. Vous voyez que c'est assez bizarre, elle a eu une belle hausse directement, et après elle a reparti en haut, elle a fait aussi des petites vagues, mais la tendance est là, elle est bien haussière. Hein. Effectivement, on est à 17 euros. On pourrait essayer de rentrer dessus, là, bon, là, pratiquement, elle est au niveau de la M5, là, c'est la M5, vous voyez, là. Donc là, elle la suit un peu. Bon, si on a un petit crash, j'irai peut-être la prendre par ici, bon. Vers les 17,20€, qui correspondra à sa MM20, qui est un peu une résistance ici. Voilà, c'est des résistances là, donc 17,20€, non, que je dis n'importe quoi, non, excusez-moi, c'est 15,73€. Je suis mal avec le truc, 15,73€. Voilà, pour rentrer dessus au niveau de la MM20. Si on a une grosse chute, on est d'accord, Seb, on n'a pas de grosse chute du marché, on pourrait la prendre à 16€. 67. Voilà, donc, voilà pour ce secteur des fournisseurs automobiles. La petite dernière que je vais faire, du coup, ben là, c'est pour le fun aussi, c'est Tesla. Je l'avais en portefeuille à un moment donné, donc du coup, je la connais un peu mieux maintenant, quoi. Donc effectivement, Tesla, bon, ben voilà, on est actuellement à 825 euros dollars. Effectivement, alors,
Moi, je suis sorti parce que j'ai l'impression qu'on est sur un double top. Pour l'instant, en fait, le problème, c'est que c'est ça. Est-ce que ça va être à confirmer ou pas? Le truc, c'est que pour l'instant, on n'est pas retourné à 910, 912 ou 900 dollars. Donc, pour l'instant, il n'est pas vraiment confirmé. Le problème, c'est que, vous voyez, bon, pour l'instant, on monte encore. Moi, j'aurais peur que ce soit un double top. Il sera infirmé si, effectivement, on continue à monter, on casse vraiment là. Mais bon, il sera déjà haut, on sera déjà à 1000 dollars, quoi. Donc, c'est compliqué à jouer, quoi. Puis, l'action coûte cher. Mais après, sur du long terme, bah, si sur un compte titre, vous pouvez la prendre, franchement, vous mettez une ou deux actions et puis vous gardez ça, quoi. Je pense que d'ici 3-4 ans, on sera au-dessus des 1000 dollars, que c'est sûr. C'est quasi sûr. Et on aura eu des descentes, c'est ça le problème. On aura certainement eu des descentes, des comblements de gap passés en 47 dollars, voire même 579. Et faites très attention au T2, parce que là, actuellement, niveau des ventes, c'est pas trop ça. On voit que Elon Musk, qui pète un peu les plombs, il fout de sa société, il voudrait la rouvrir. Donc, attention au T2 pour Tesla. Voilà. Bon, j'arrête là pour ma vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous ma vidéo, à mettre des petits pouces bleus. Bonne soirée à tous, bon investissement, ciao!